Cette vidéo vous est présentée par The Lord of the Rings Gollum, un jeu d'action-aventure épique où vous incarnez l'énigmatique Gollum dans son dangereux voyage et découvrez comment il a surpassé les personnages les plus puissants de la Terre du Milieu. Précommandez le jeu dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des personnages les plus puissants du Seigneur des Anneaux. Pour cette liste, on va s'intéresser aux personnages les plus redoutables de la Terre du Milieu et d'ailleurs. Nous prendrons en compte toutes les facettes de l'univers de Tolkien, qu'il s'agisse des livres, des films ou de la télévision. Selon vous, quel est le personnage le plus balèze de l'univers du Seigneur des Anneaux? Dites-le-moi dans les commentaires. Numéro 10, Silvebarbe. Dans les deux tours, Gandalf décrit cet ancien Ent comme le plus vieil être vivant qui marche encore sous le soleil de cette Terre du Milieu. Bien qu'on ne connaisse pas son âge exact, on ne parcourt pas la Terre aussi longtemps que Silvebarbe sans accumuler une bonne dose de pouvoir. Let's put a maggot hole in your belly. Dans le cas de Silvebarbe, le pouvoir ne découle pas seulement de sa taille, qui s'élève à environ 4 mètres, mais aussi de sa sagesse. Par-dessus tout, son pouvoir est enraciné dans son leadership. En tant que berger des arbres, il peut rallier des compagnons comme nul autre. Vous êtes non bête. Réalisant ce que Saruman est en train de faire à la forêt, Silvebarbe mène la charge contre Isengard, marquant ainsi le début de la fin pour Saruman. Dans le conflit entre l'homme et la nature, misez sur cette dernière lorsque Silvebarbe est au premier plan. Numéro 9, le roi sorcier d'Angmar. Qu'on les appelle les spectres de l'anneau, les cavaliers noirs ou les Nazgûl, les 9 figures encapuchonnées qui servent Sauron incarnent le prix du pouvoir. Grâce aux anneaux de pouvoir, ces 9 humains ont accédé à l'immortalité, perdant au passage toute trace d'identité et d'humanité. Leur chef, le roi sorcier d'Angmar, n'a d'égal que Sauron. Il possède une magie noire inégalée, des talents d'épéiste et une immunité aux armes normales. Do you not know death when you see it, old man? Il semble qu'il n'y ait aucun moyen de le tuer. C'est ce que confirme une prophétie concernant le roi sorcier. Jamais de la main d'un homme il ne tombera. Le roi sorcier aurait dû lire entre les lignes, car il n'aurait pas été vaincu par un homme. C'est Eowyn qui provoque sa perte avec l'aide d'un hobbit. I am no man. Numéro 8, Gwaihir, le seigneur du vent. Certains fans affirment que la trilogie aurait pu être terminée plus rapidement si les grands aigles avaient aidé à transporter l'anneau jusqu'à la montagne du destin. Bien que cet argument puisse facilement être réfuté, tout le monde est d'accord pour dire que les aigles sont l'une des forces les plus puissantes à avoir jamais honoré la Terre du Milieu. Gwaihir règne sur tous les autres, sauvant Gandalf d'Orthanc, aidant à vaincre les spectres de l'anneau lors de la bataille de la Porte Noire et jouant un rôle crucial dans la récupération de Frodon et de Sam de la Montagne du Destin. Gwaihir n'est peut-être pas invincible, car une flèche empoisonnée a failli lui coûter la vie. Heureusement, Gandalf lui est venu en aide et Gwaihir lui rend l'appareil à plusieurs reprises au cours de la Guerre de l'Anneau. Numéro 7, Saruman. En plus de diriger les Istari, ce sorcier a été à la tête du Conseil Blanc qui a un jour chassé Sauron de la Forêt Noire vers Mordor. Néanmoins, Saruman est finalement corrompu par le pouvoir et devient le serviteur de Sauron. When did Saruman the wise abandon reason for madness? Bien qu'il soit techniquement un sous-fifre, Saruman aspire à s'approprier le pouvoir de Sauron. Même s'il n'est pas l'antagoniste principal, il a le potentiel pour devenir le grand méchant, en battant Gandalf en combat singulier, en élevant des Uruks et en commandant une armée qui a failli s'emparer du Rohan. March to Helm's Deep. Leave none alive.
Saruman est un maître de la tromperie, influençant la Terre du Milieu sans quitter sa tour. Save your pity and your mercy. I have no use for it. Bien sûr, Langue de Serpent est aussi un traître, et Saruman aurait dû savoir qu'il ne fallait pas lui faire confiance. C'est ce qui l'a conduit à sa perte. I will not be held, prisoner here. Numéro 6, Galadriel. Le demi-elfe Elrond a survécu à de nombreuses batailles qui ont façonné le destin de la Terre du Milieu. You should have stayed dead. Cependant, Tolkien lui-même a appelé Galadriel la plus puissante et la plus belle de tous les elfes qui sont restés en Terre du Milieu. Galadriel continue de poursuivre l'illusoire Sauron alors même que d'autres doutent d'elle. Dans la série Les Anneaux de Pouvoir, les talents de combattante de Galadriel sont démontrés comme jamais auparavant. Cependant, c'est sa capacité à lire dans les pensées et à communiquer par télépathie qui distingue Galadriel de l'elfe moyen. Des années plus tard, elle sera la gardienne de Nenya, l'un des trois anneaux. Si l'avenir n'est pas figé dans la pierre, le miroir magique de Galadriel lui permet d'entrevoir les choses à venir, ce qui lui permet d'affirmer cet aveu terrifiant. In place of a dark lord, you would have a queen, not dark, but beautiful and terrible as the dawn. Treacherous as the sea. Numéro 5, Gandalf. Oui, Gandalf a perdu son combat contre Saruman, mais il faut reconnaître que son adversaire avait l'avantage du terrain. De plus, on n'avait pas encore vu toute l'étendue de ses capacités. You shall not pass! À l'issue d'une bataille épique contre le Balrog, Gandalf le Gris renaît et devient Gandalf le Blanc, plus puissant et plus sage que jamais. Même la mort ne peut empêcher ce sorcier d'accomplir sa tâche. Lors de la bataille du gouffre de Helm, il dirige les renforts qui font tourner le cours de la bataille à la toute dernière minute. En plus de vaincre l'armée de Saruman, Gandalf brise le bâton de son ami devenu ennemi et le remplace comme nouveau chef des Istari et du Conseil Blanc. Saruman, your staff is broken. De plus, alors que Saruman cède à la tentation, Gandalf est capable de résister à l'anneau lorsqu'il lui est présenté, ce qui permet à Frodon d'entreprendre un voyage inattendu. Numéro 4, Tom Bombadil. Si votre connaissance du Seigneur des Anneaux se limite au film, le nom de Tom Bombadil ne vous est sans doute pas familier. Les lecteurs, eux, comprendront toutefois pourquoi ce personnage occupe une place si importante. Dans la communauté de l'anneau, Tom héberge les Hobbits au cours de leur aventure. Il s'affirme comme l'un des personnages les plus puissants et les plus mystérieux lorsqu'il porte l'anneau sans être consumé par lui. You should not be waking, eat earth, drink water, go to sleep, Bombadil is talking. Il peut également voir Frodon lorsqu'il porte l'anneau et le fait même disparaître brièvement. Tom aurait pu emporter l'anneau dans le Mordor lui-même, mais Gandalf affirme qu'il se désintéresserait probablement d'une telle quête. Pour Tom, l'anneau unique n'est qu'un bijou, ce qui en dit long sur ses pouvoirs énigmatiques. Here's a song to sing should you fall into any danger. Oh, Tom Bombadil, oh, by water, wood and hill. Numéro 3, Sauron. Si Sauron est absolument redoutable sur le champ de bataille, son véritable pouvoir réside dans l'art de la manipulation et la tactique de la peur. You tell them that Sauron lives because of you. C'est aussi un véritable joaillier, persuadant les elfes de forger les anneaux de pouvoir et de fabriquer l'anneau unique qui les gouvernera tous. Même après sa défaite par Isildur, le Seigneur des Ténèbres survit à travers l'anneau unique, corrompant tous ceux qui entrent en contact avec lui. La guerre de l'anneau marque son retour avec un œil géant symbolisant sa nature apparemment omnisciente. Ce n'est que lorsque l'anneau unique est finalement détruit que la menace de Sauron est véritablement éradiquée. Numéro 2, Melkor. When the great foe Morgoth destroyed the very light of our home, we resisted. Avant la création du monde, l'unique a créé les Ainur, des êtres divins issus de ses pensées. Tous étaient assez puissants pour occuper cette place, mais le plus grand était Melkor. C'est également lui qui se rebella,
corrompant le monde et ses créatures. Appelé Morgoth par les elfes, il était si puissant qu'il fallut l'effort combiné des elfes, des grands aigles et des Valar, les Ainur qui avaient façonné le monde, pour le vaincre au cours du premier âge. Enfin, il fut précipité dans le néant. Le mal qu'il a laissé derrière lui est cependant resté. Son héritage s'est perpétué à travers son lieutenant Sauron et d'autres êtres sombres. A cruel and cunning sorcerer. They called him Sauron. Avant de dévoiler le personnage qui les gouverne tous, nous voulons vous montrer un ennemi redoutablement puissant du nouveau jeu Gollum qui sortira le 25 mai. Au cours de son voyage épique à travers la Terre du Milieu, Gollum rencontrera et combattra les Nazgûl, les 9 plus terribles serviteurs de Sauron qui brandissent des anneaux de pouvoir. Ces spectres étaient autrefois de grands rois et sorciers, mais ils ont été corrompus par les anneaux et servent désormais leur unique maître. Gollum doit les vaincre s'il veut survivre. Numéro 1, Eru Iluvatar. Comment surpasser le Seigneur des Ténèbres, les plus sages des elfes et Monsieur Bombadil? Rien de plus simple, avec l'équivalent de Dieu. Les Valar sont en gros des dieux dans la Terre du Milieu, et Eru Iluvatar règne en maître. Cette divinité a été décrite comme le Tout-Puissant et celui qui est au-dessus de tous les trônes pour l'éternité. Grâce au Feu Secret, ou Flamme Impérissable, Eru Iluvatar a pu créer la vie. Les Ainur furent les premiers êtres conçus par lui, et bien qu'il ne se mêle pas toujours des affaires des vivants, il peut agir de manière mystérieuse. Selon Tolkien, c'est Eru Iluvatar qui a fait tomber Gollum dans les feux de la montagne du destin, détruisant ainsi l'anneau. Cette vidéo vous est présentée par The Lord of the Rings Gollum, un jeu d'action-aventure épique où vous incarnez l'énigmatique Gollum dans son dangereux voyage et découvrez comment il a surpassé les personnages les plus puissants de la Terre du Milieu. Précommandez le jeu dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description.